Nous sommes l'engeance de nos vieux. La version aboutie de leur fantasme capitaliste. Nés dans un baril de pétrole, nos ambitions s'étouffent sous un masque chirurgical. Big Pharma a planté un thermostat dans notre petit fion de nourrisson un soir de pluie dans la nurserie. Et nos collabos de boomers ont fait monter la température. Si on est comme ça aujourd'hui, huilés par la haine et le ressentiment, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Et vous verrez, ils vous diront la même. C'est pas de notre faute l'industrie. C'est la faute de tes grands-parents. On pensait qu'on prenait racine dans le ventre de notre daronne. Mais c'était l'armature de notre futur Clio 1 qui nous entourait, et non l'intérieur de son ventre. Toutes des putes, sauf maman, hein. En attendant, ta salope de daronne t'a bien cassé les burnes pour que tu passes ton code de la route, fils. Parce qu'une fois qu'elle a chié, et élever la merde que tu es devenu. Bah faut que ça dégage. Production industrielle OP. Maintenant on va becter tes semblables. Faut que tu t'imposes, que tu écrases les autres. Il s'agirait de pas devenir une saloperie de chou-fin qui va comper son gros cul poilu dans la sous-cave des darons jusqu'à 40 balais. Ta mère est un véhicule qui fait du surplace entre la cuisine et le salon. Ce moteur high-tech customisé par les plus belles élancées du téléachat. Remets du jus dans le moteur, mon rey. Ta mère est une pute de Clio 1, 2, 3, 4. Elle évolue. Ton individualisme fortiste a poussé dans le coffre de ses névroses. Au départ, tu gambadais dans les pôles putrides de ton daron, ce chasseur de cul qui campait, qui observait au loin, jumelles en main. Tu ne savais pas qui tu étais, qui tu allais devenir. Tu répondais juste inconscient au mouvement de ses pôles. Ton père, cet animal, ce singe, ce macaque même, qui ne pensait qu'à se vidanger. C'est aussi un peu à cause du comportement de ton père si aujourd'hui tu es un fils de pute. Le code de l'avenir, dans sa putain de savane, après s'être branlé maintes fois dans l'évier, il attendait le moment propice pour t'éjaculer tout au fond du fordisme. Pour qu'à ton tour, tu deviennes ce viandard, ce tas de muscles, machine à éjaculer qui file à 150 km/h sur les autoroutes privatisées de 2020. Merci Chirac. J'entends un cri au loin. T'es mal à Kista. T'es mal à taille de la Kista. Ouais, t'es mal à Kista. Enfin, va ma gueule, ils sont dépassés comme des Dreamcast. En fait, ils savent même pas ce que c'est qu'une Dreamcast. Putain de dinosaure, atrophié par le ton mièvre des producteurs juifs. Comme tu sais. Producteurs juifs. 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 Herman, Berg, Stein. Vous savez, tous ces noms de producteurs qui finissent par... Je veux pas avoir l'air antisémite. Mais on dirait que les boomers ont été biberonnés par des médias tenus par des noms qui ressemblent tous à une certaine commune... Non mais je dis ça, c'est que bizarrement, les acteurs porno, bah ils sont tous circoncis. On dirait que ça ouvre certaines portes. Enfin, certains culs. Je veux dire, l'autre fois, je discutais avec Roger. Je lui ai dit comme ça. Bah c'est bizarre, y'a que la bite à Manu qui est pas circoncis. C'est une question d'hygiène ou une façon de dire tacitement qui domine qui? Non, vraiment, ils sont fins quand même, les juifs. Je lui ai dit à Roger. Et il a dit que j'étais antisémite. Cette épée de Damoclès au-dessus de nous depuis la nurserie. La WW2, une époque que nous n'avons pas vécue, que nos vieux boomers ont transformé en outil de culpabilité. Nos darons, élevés en patrie dans des entreprises dont le nom finit par Mann, Berg ou Stein, nous ont foutu des coups de règle sur les doigts. Marche sur la ligne droite et déborde pas où tu seras. Antisémite, raciste, fasciste, musulman, parfois, tu seras... Un fordiste, quelque part. On le sait, l'important dans ce monde, c'est le transport. Tout type de transport. Ça a commencé avec des trains, ça finira avec le camion d'Amazon. Les rails de l'histoire se terminent là. Une production Bilderberg, coproduit par la famille Vic Stein, réalisée par John Borman.